Oyo abongi na kebo. Les bons de chanter les cantiques inspirés du Seigneur. Les cantiques qui gardent la parole de Dieu. Ah, baloyebo zali na kobate la bosolo penza ya liloba nzambe. Dans les couples qui extorpillent la parole, les dénudent. Ezalite baloyebo ezali kobebisa liloba kolongola yango bonzambe na yango. Avant de chanter quoi que ce soit, vérifie si ça respecte la parole. Yambo ya koyemba loyebo nyonso oyeba na kosenge la malamu soki ezali kotosa liloba. Nous lisons notre passage et puis essayer de répondre à quelques préoccupations. Ozali na kotanga makomi mike pe na koluka koyanola na mitune tuna maki. Josué 5. Ozali na Yoshua mokapona mita. 13 ou 15 versets, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand Josué était près de Jéricho, le kola Yoshua zalaki pene ya Jéricho. Il ouvrit les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, notre ou des noms ennemis. Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Nazali Mokonzama Pinga Yahweh. J'arrive maintenant. Nazali Koyasika. Josué tomba le visage contre terre. Yoshua Koya Kielongina Mabele. C'est prosternant. Ah, Gumba Makina Losabo. Et lui dit, Beatuna Kiemotuna. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Nini Ango Kolonaga Zali Koye Bisamusa Dinae. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Josué 6, 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Supportez-nous un peu. Nous ajoutons un verset toujours dans le livre de Josué 6. Le verset 5. Quand ils sonneront de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera grand cri, alors la miraille de la ville s'écoulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Vous retenez, quand la trompette allait sonner et que la miraille allait s'écrouler, chacun de peuple devait monter devant soi. C'est la parole du Seigneur. Ezali nous allons nous asseoir.
J'ai dit retenez cela. Dans le Bible, quand il y a un malade, Dieu était venu pour faire quelque chose. Zambéria qui prend ça là et le comment encore qui permettrait au peuple de monter. Oui, qu'on peut s'en zéra la libota, pas matin. C'est pas ça? Zambéria. Restez dans l'esprit du texte pour comprendre l'esprit que nous menons dans cet enseignement. Otika la na molimo ya makomi pomo so sur la molimo nini ya moto zolinga kolobe la toli kambolini to zolinga to lobe la litero. Néanmoins, retenez. Kasibo kangaboy. Dieu, Zam, qui a fait sortir son peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, avait préparé une place pour eux. Et ce peuple devait arriver là-bas. Et quand l'esprit prophétique analysait l'espace et le chemin, on disait que Israël montait de l'Égypte à Canaan. Est-ce que c'est clair? Retenez cela. Israël va faire quoi? Il va monter. Mais avant qu'il monte, c'est dans cette période que le chef de l'armée est arrivé. Est-ce que c'est clair? Ah. Ça, c'est l'écriture. Avant de monter, il faut que le chef de l'armée arrive. Et c'est avec son épée nue. J'ai dit quelque chose en rapport avec ce que nous avons introduit. Concernant la 40e année, vous allez remarquer quelque chose. Dans le livre de Josué 5, avant que l'ange de l'Éternel, sous la forme du chef de l'armée, se révèle à Josué. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce chapitre 5. Je prends les quelques versets pour ne pas tout lire. Josué 5, verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué le circoncis. Tout le peuple est sorti d'Égypte. Les mâles. Tous les hommes de cœur étaient morts dans le désert. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Nous sommes dans Josué combien? 5. Par l'esprit prophétique, Josué va circoncire le peuple. Pourquoi il les circoncit? Les raisons nous sont données. Pendant la marche ou pendant la route, en d'autres termes, pendant le temps de l'exode, ils étaient fait qu'on ne circoncisait pas encore les hommes. Ah, et ça, qui était basé pour Katana ou Batongengate. Et vous savez que l'exode était de combien de temps? 40 ans. C'est que dans le chapitre 5 de Josué, Dieu est en train de traiter le retombé de la 40e année de la marche. Vous savez pourquoi Jésus, quand il vint,
Il a jeûné pendant 40 jours. En réalité, le plan de Dieu, en faisant sortir Israël du pays de l'Égypte pour arriver à Canaan, Dieu a prévu qu'Israël fasse 40 jours. Mais il s'était fait que par la désobéissance, Dieu a dit à Israël, vous ferez 40 ans. Il a pris un jour pour une année. Ah, est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi quand Jésus vint, il commence son ministère, il va dans le désert. En réalité, Jésus est parti faire son exode. Et il a fait 40 ans dans l'obéissance. 40 jours. Dans l'obéissance. Dieu ne pouvait pas faire des 40 jours, 40 ans. Ah. Dieu, du temps de Jésus, il ne pouvait pas punir Jésus comme il a puni Israël. En rendant 40 jours à 40 ans. Est-ce que vous me comprenez? Regarde. C'est dans le 40e jour que le diable, après avoir tenté Jésus, il avait vaincu. Alors, qui? Jésus a vaincu le diable. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant pendant 40 jours. Peut-être que tu ne le savais pas. Si Jésus, ce qui est, a vaincu le diable sur la croix, c'était à cause de son obéissance dans les 40 jours de prière de jeûne. Là, je te donne le verset. Matthieu 4. Pour que nous comprenions pourquoi j'insiste sur le 40, la 40e année. Voilà ce qui est écrit. Après la troisième tentation, il est écrit ceci. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi de moi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Ça, c'était la victoire de Jésus. Et le diable a fait quoi? Il s'est retiré. Pourquoi le diable s'est retiré? La Bible dit ceci. C'est le verset que je vais vous donner. Il se retira pour venir au temps convenable. Prenons ça dans Luc 4. Il est écrit ceci. Verset 12. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est le 40e jour. Et 40e jour de prière de jeûne. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières,
personnes. Moi, j'aime prêcher ce qui est écrit. Voilà. C'est pourquoi je dis, ne lis pas la Bible comme un journal. Je répète. Après l'avoir tenté. De toutes ces manières. Le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable. Le diable. Satan. À ses manières. Quand il tente une personne. Il a une première manière. Une deuxième manière. Une troisième manière. C'est terminé. Toutes les manières. Il n'a pas reçu Jésus. Vous croyez aux Écritures? Bon, si je te pose la question autrement. Ce qui n'a tout ni au mot, tout n'a l'oreille au sous. Les diables ont tenté Jésus de combien de manières? Toutes les manières. Il n'a laissé aucune manière. Il a utilisé tout ce qu'il savait. Pour tenter Jésus, il a joué. Quand il a joué, combien de manières? Toi. Ah, Misato. Est-ce que c'est clair? La première manière, le diable est venu à Jésus avec le pain. N'allie pas. C'est la première manière. La deuxième manière, il l'a amené sur une haute montagne. Cela parlait du royaume ou en d'autres termes de la politique. La troisième manière, il a conduit Jésus sur le temple. En fait, il parle de la religion. Tandis que le pain représentait le bien social. Les diables n'ont que ces trois manières. Ah, Satan, regarde tous ceux qui sont séduits par les diables. C'est soit pour avoir l'influence sociale. Même pour des petits téléphones, tu te prostitues à cause de ça. Tu es séduit par les diables et par les biens que tu veux posséder illégalement. Est-ce que vous me suivez très bien? Soit c'est dans la politique, soit dans la religion. Il touche le monde avec ses trois pinces. Et dans tous ces trois, Jésus l'a vaincu. Oh, la réalité. Quand Jésus vainque, quand il avait vaincu pour la première fois, les diables, Satan a laissé les pains. Jésus l'a récupéré. En d'autres termes, l'influence du diable sur le social. Il l'a perdu. Jésus l'a récupéré. Quand il a tenté en la menant sur la montagne, est-ce que vous ne remarquez pas qu'après la tentation, le diable s'est retiré? Et quand il s'est retiré, ces postes-là, Jésus les récupère. C'est pourquoi je vous dis, un jour, Jésus a
cause de la victoire de 40 jours. L'icolo y a elonga wana soki na kokila mikolo tiku mine. Il offrira à ses croyants les biens sociaux que le diable n'a jamais donné. A kompesa bandili ozali makambo ya kombika bo na se oyo Satan na kokio pesa te. Un jour, mokolo moko, Jésus, Yesu régnera dans ce monde. Il régnera avec ses croyants. Parce qu'il a récupéré le monde après le mec du diable. Le royaume du monde sera donné à Jésus. Et sans parler de la religion, vous le savez. La politique, la religion, le sambo, sur cette terre, na un jour, mokolo moko, il y aura l'unique adoration au vrai Dieu. Ah, sambela kaka kanzambe moko ya solo. Sous Melchisedec. Ah, ma bengenda kanzambe Melchisedec. Jésus, Yesu Christ, il a récupéré tout ce que les diables avaient. A soigné aussi le sambo au Satan azali nango. Est-ce que c'est clair? Ah, c'était l'entre parenthèse nous ferons. Je voudrais seulement dire, vous voyez que après la troisième manière, il y a fait quoi? Il s'est retiré pour venir quand? Au moment convenant. Laissez-moi te dire quelque chose. Si le diable te tente aujourd'hui et que tu as vaincu, il ne faut pas fermer les bras. Il se retire, il cherchera à changer les manières et venir encore te tenter. Mais si Jésus t'a donné la première victoire, peu importe la manière que le diable prendra, il te donnera toujours la victoire. C'est pourquoi quand il est venu au temps favorable, c'était quel temps? L'homme de la croix. Ah, Isaraki, couffre et coulousse. Est-ce que sur la croix Jésus a vaincu le diable? Pourquoi il a vaincu? La victoire qu'il a eu dans les 40 jours dans le désert. Cette victoire l'a accompagnée par lui. C'est pourquoi si tu as le temps de prier, vos prières. Tu peux faire des réserves de la force par la prière sincère. Est-ce que c'est clair? Donc même si tu les vois quand tu calcules, ce serait 3 ans après 40 jours. 3 ans après. Ah, mais tu es qui? Mais c'est la victoire du 40 jours de Christ. Vous avez compris? Pourquoi j'ai pris ça? C'est pour rentrer à la 40e année. Vous remarquerez que quand on arrive dans Josué 5, 1, on circoncile les gens. C'est pas ça? 2. La manne que l'on mangeait pendant 40 ans dans l'Exode avait cessé. Et quand on les a circoncis, sous Josué, dans Josué combien? 5. Disons cela. Josué 5. Après la circoncision, écoutez ce que Dieu a béni. Le verset 8. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, il restait à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Ah, qui n'a pas été pour et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé des tissus fous, l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. C'est qu'à Gilgal, tu enlèves l'opprobre de l'Égypte.
Pito. Pourquoi? Parce que la marche pour l'exode était terminée. Ah, contacte la mobilité. Si la qui? Est-ce que c'est clair? Ah. Les 40 ans étaient là. Mais pour qui combiné ça? On devait maintenant vivre le retombé du 40e année. Et c'est que là qui tombe que la mouse et les cas qui n'a mis tout combiné. Maintenant remarquez. Ah. Le peuple est circoncis. La manne qui donnait la force au peuple pendant 40 ans ne tombe plus. Est-ce que vous voyez ça? Alors l'ange éternel apparaît pour que le peuple monte. C'est qu'avant que le peuple monte, il y a quelque chose qui va se passer. Nous aussi aujourd'hui, suivez-moi serment aujourd'hui. Que Dieu soit vraiment avec nous. Nous disons ceci pour faciliter encore la tâche. La Bible dit au début. Je reviens avec cette histoire. 40e année. Mobu ya tukumine. Au début ici, il awa. Ya ikwa. Zomakini. L'ange de l'Éternel. Moi je loue ya Yahweh. Qui a dit lui-même. Oya loba hier mon corps. Je suis descendu. Ngai nakiti. C'est vrai? Solo. Je suis descendu. Nakiti. Pourquoi? Bon ami. Pourquoi il est descendu? Bon ami Nakiti. Il a vu les souffrances de son peuple. Amoni mignoko yalibota nae. Pour faciliter la compréhension, les gens répondent. On a beaucoup mis ça au Peter, vous se souvenez à Bator. Disons cela. Tout en ayango. Exode 3. On canne la bobimi, on caponani ça. Exode 3, il dit ceci, verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Qui était descendu? L'Éternel. Pourquoi? Yahweh, pour la vie. Pour délivrer son peuple. J'essaie de faire ceci. Je fais cette flèche. Qui est descendu? L'Éternel. Yahweh. Pourquoi? Pour la vie. Pour délivrer son peuple. Quand il descendait, son peuple était où? En Égypte. Mais comment il est descendu? Il est descendu dans le buisson à épines. Pourquoi nous parlons de buisson à épines? Parce que c'est là qu'il a dit à Moïse, ôte tes souliers. Le lieu sous lequel tu te tiens est un lieu saint. C'est clair. C'était quand? Au début de son ministère pour l'exode de son peuple. Est-ce que c'est clair? Maintenant, les mêmes paroles qui étaient dites là au début, nous voyons encore cela quand l'ange ou le chef de l'armée arrive. Son peuple. Et quand il vient ici, il dit, je
suis le chef de l'armée. J'arrive. Regardez. Il n'est pas dans les buissons, la vie. Est-ce que c'est clair? Au début, il était dans la buisson, la vie. Mais le même Seigneur, à la fin, il vient lui-même. Pas encore dans les buissons, la vie. Mais avec son épée nue. Avant que le peuple monte. Est-ce que vous me comprenez? C'est cela qui nous pousse à mettre une relation entre le chef de l'armée et qui? Et ces buissons dans lesquels l'ange éternel est descendu. Que Dieu vous donne de l'intelligence. Quand Dieu fait commencer son ministère, pendant que son peuple est dominé par les ennemis, il descend. Mais il descend comment? Il s'incarne dans un corps. L'éternel est descendu dans le puissant et puis. Allons maintenant. Ça même les aveugles les lisent et ils comprennent. Qui est descendu? Qui est descendu? Il dit ceci. Quand il est descendu, Moïse a dit quoi? Le feu. Amoni moto. Que faisait ce feu? Montezani. Le feu était là. Montezakiwana. Ça s'allumait. Mais ça ne consumait pas quoi? Le buisson. Et c'est ainsi qui s'entendait à la terre. Ça, tout le monde le lit. Voilà mon Dieu sur le bango. Mais pourquoi le buisson n'est consommé? Si le feu qui monte consumait le buisson, et c'est ainsi qui s'entendait à la terre. Qu'est-ce qu'il allait se faire? Ça, les on aura les traces de feu dans le buisson. Ah! Les gars qui va se faire, ça dit, il est beau, il. Je suis avec vous, mon frère. Qui est descendu? C'est lui, le juriste. Oui, le magistrat. Qui est descendu? L'éternel. Yahweh. Est-ce que vous remarquez que l'éternel était dans un corps? Ah, combien dans la mécanique de colas à qui la carte en zoto? Quel était ce corps? Zoto à Zakini. Mais le buisson, c'est un corps. Ah! Remarquez. Le buisson ici, c'était un. Quand vous le voyez, il y a 4 minutes avant. 4 minutes avant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Et l'autre côté. En d'autres termes, le buisson est vierge. Ah, et l'incolobaïe, c'était un Esaïe, Pétra, Papa, n'a pas besoin de mon côté. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Un temps après, l'éternel est descendu. Yahweh a quitté. Il s'est placé à l'intérieur du buisson. Pendant qu'il était à l'intérieur, le buisson ne brillait pas. Parce qu'il savait qu'après un temps, il va sortir. Et quand il sort, tu dois regarder le buisson comme il était avant que le feu descende. Je reprends. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Quand son peuple est dans le péché, dominé par quelqu'un, il ne peut pas descendre dans un être libre. Est-ce que c'est clair? Il descend comment? Il se place dans un corps. Et tout le monde, quand il lit ça, qu'est-ce qu'il pense? Pour rien? Non! Et ça pas battre. Nous avions expliqué. Est-ce que vous savez que chaque être vivant est un arbre selon la Bible? La
Bible dit, produisez les fruits. Est-ce que c'est clair? Amen. Toi qui es une plante. Marie aussi était une plante. Comme l'Éternel a vu son peuple dans le péché, lui-même est descendu. Il s'est placé le corps intérieur du corps de Marie. C'est pourquoi j'ai dit, avant le feu, les buissons étaient comme ça. Mais après un temps, quelqu'un s'est placé à l'intérieur. C'était qui? Comme c'était l'Éternel. Il est les fruits ou le feu étaient les fruits à l'intérieur de l'épi. C'est pas les fantômes, c'est la Bible. Bon, je peux vous faciliter la compréhension. On le livre de Samuel. Vous allez voir ce que une femme avait parlé là-bas. En rapport avec le feu. 2 Samuel 14, verset 7. J'ai dit au nom de Jésus. Et voici. Pétala, toute la famille s'est levée contre ta servante. En disant, livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi les tisons qu'il reste pour ne laisser à mon mari ni non, ni survivant sur la face de la terre. Qui parle ici? C'est la femme de Tekoa. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit devant le roi. J'avais deux frères. L'un a tué son frère. Ils sont les fils de qui? Les fils de qui? Ce sont les fils de cette femme. Selon cette parole. Ce sont les fils biologiques de cette maman. Est-ce que c'est clair? Amen. Lui-même, la maman, appelle ses fils comme les... Comme quoi? Ah, il les appelle quoi? C'est que les tisons, ouais, ça va cogner, ça va moto. Là, je la représente un fils. Est-ce que c'est clair? Et les tisons, c'est quoi? Cogner à moto. Les tisons, c'est un morceau de bois. Et ça va cogner. Brûlé par les feux. Oh, je suis moto. Gardant les traces du feu. Après, ça y combattre la mort.
Je ne sais pas si les mamans vont comprendre. Indiquez ce qui ma maman va aussi bangaï. Les 10 ans, regardez. Comme il y a mode. Je suppose que ça, c'est le morceau de bois. Vous comprenez? On met le feu ici. Ça fait le feu quoi? Actuellement, tu es au salami. Et quand ça va consommer? Tant que aussi dit ça. Ça va devenir comment? Aïe, comment on est? Ça change. Ça devient à peu près noir. Vous remarquez? Il y a le feu. C'est une moto. Le feu a brûlé et a consumé les bois. Moto et tumipe et zikisi kon. Ça, c'est ce qu'on appelle les fils. Est-ce que c'est clair? Ah. C'est-à-dire, une femme, moi, si mon corps, quand le fils moi, ou une fille moi, moi, si. Fait naître d'une femme, moi, si. Il laisse les traces du feu dans les bois. Ah, il y a moto dans cette. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes malins, soyez sincères, est-ce que vous comprenez? Un peu. Je vais dire ceci, pour que ça soit clair. Toi, yo, avant que ta mère puisse te concevoir, il n'avait pas les traces de feu. En d'autres termes, elle était vierge. Mais quand le feu est entré en lui, quand toi tu étais là, en elle, il a perdu sa virginité. Ça, ce sont les traces du feu dans une femme. C'est qu'un enfant dans les ventres de sa mère, c'est le feu qui consomme les bois. Quel enfant? Moi, ami. Les enfants naturels que nous sommes. En d'autres termes, quand Moïse était dans le ventre de sa mère, il a consumé sa mère. Est-ce que c'est clair? Quand Abraham était dans le ventre de sa mère, c'était le fait qui a consumé sa mère. Mais quand Jésus était dans le ventre, c'est ce qui a fait que il y a une différence entre toi et moi et Jésus. J'ajoute un autre verset. Dans le livre de Job. Job 3. Vous savez que Job a menti le jour de sa naissance. Il était né de qui? De sa mère, hein? C'est ce jour-là que Job a maudit. Job, pourquoi tu as maudit le jour de ta naissance? Yoka. Job nous répond. Je lis dans la version d'Arbi. Vous en avez aussi? Oui. Le frère, vous avez la version d'Arbi? Oui. Qui en a? Tu peux lire le verset 10. Si je lis, tu diras peut-être qu'il a modifié dans sa Bible. Lis dans la Bible de l'autre. Job chapitre 3. 3 verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté. Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté. Et n'a pas caché la misère. Interprète. Selon la traduction, les gens. Bon, on peut prendre le verset. Le verset 9. Prenons le verset 7. Voici que cette nuit-là soit stérile. Que les cris de joie n'y entrent pas. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le frère fait la lecture. Verset 10. Verset 10.
Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté. Et n'a pas caché la misère devant mes yeux. Selon cette écriture, Job en tant que prophète, il dit dans cette nuit-là, la nuit n'a pas fermé les portes du ventre de sa mère. C'est que selon Job, le ventre d'une femme a des portes. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Avant qu'une femme puisse concevoir, il faut que les portes s'ouvrent. Est-ce que c'est clair? Les moyens par lesquels l'enfant entre dans le ventre d'une femme, c'est par le même moyen que l'enfant il sort au jour de sa naissance. Maintenant nous voyons Jésus. Il avait une porte qui était fermée. Jésus est entré dans une maison sans que les portes puissent ouvrir. Comprenez-vous l'écriture? Écoutez, Job a dit, est-ce qu'une femme pénètre quelqu'un de pire? Ne peut jamais concevoir sans que l'enfant qui entre dans les ventes ne soit impie. Chaque personne qui est conçue dans les ventres d'une femme, il ne peut jamais être impie. Pourquoi? Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Ça nous essaie de répondre à la préoccupation par rapport aux questions que nous avons trouvées pour l'avance. Ézéchiel 16, voilà ce qui est écrit. Je commence dans le verset 3. Tu diras ainsi par le Seigneur. L'Éternel. Yahweh. À Jérusalem. Jérusalem. Par ton origine. Et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Et ta mère, une Étienne. Vous voyez, quand on parle de l'origine d'une personne, on cite un père et une mère. C'est la Bible, hein? Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des lâches. Quand un homme a un père, Azalina tata et il met Azalina maman, les deux avant mi balé. Quand les pères s'approchent là, d'abord ma papa Azalina qui n'est pas une maman, elle doit perdre sa virginité. Et c'est que la boue qui s'abandonne là. Est-ce que c'est clair? Ces moyens là, l'enfant qui entre dans les ventes, il y a les cordons ombilicales. Et ça mon tolu. Qu'il est possible que ouais, pour un corps biologique, ouais, il y a un père et une mère. Quand ils s'assemblent, la mère donne quelque chose. Maman, son père, c'est quoi? C'est quoi? Il y a des médecins ici. Et ça n'a pas dit. Ah. Bon, fermons la parenthèse. Voilà. Donc, le père a quelque chose qui donne la mère. Et la mère aussi a quelque chose qui donne la contribution pour que les petits puissent naître.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Le problème des cordons ombilicaux, c'est écrit dans la Bible. C'est que pour que quelqu'un ait les cordons ombilicaux, qu'il ait un nombril, premièrement, il doit avoir un père et une mère. Sans mère, sans généalogie,
de vivre, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Michel-Zedek, demain sacrificateur à perpétuité. Il est devenu semblable à qui? Au Fils de Dieu. Mais quel Fils de Dieu? Un Fils de Dieu qui n'est ni père, ni mère, mais appelé Fils de Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est qu'il ne faut pas se lever un matin. Tu dis celui-ci avait le cordon ombilical. Non. Il avait le nombril. Non. Pour savoir que quelqu'un avait le nombril, vérifiez son histoire. Il était appelé qui? Melchizedek. Est-ce qu'Abraham avait son père? Son nom était qui? D'accord. Et Tumbaï. Les pères d'Abraham, son nom était qui? Tata Balama Kumbuna. Tata Balama. Terash. Qui? Terash. Le nom du père d'Abraham, c'était qui? Qui? Nakor. Bon. Que Dieu nous fasse grâce. Frère, aide-le. Le nom du père d'Abraham, c'était qui? Terash. Terash. Est-ce que quand Melchizedek est venu devant Abraham? Terash était là. Terash était là. Abraham avait son père. Il suffit que tu regardes le ventre d'Abraham. Dès que tu vois avec le nombril, demande. Tout là, tu verras qu'il avait son père. Son père c'était qui? Terash. Maintenant, Melchizedek, qui était à côté d'Abraham, il avait un père. Il avait une mère. Il avait le nombril. Il avait le nombril. Le nombril, ce n'est pas un signe de vie. Ah! C'est une marque d'un homme qui est né d'une femme et d'un père. Un homme pire. C'est pourquoi au jour de sa naissance, il faut qu'on le purifie. Parce qu'il est né d'un père. Avant que Jésus ne soit conçu, il était saint. Pendant sa conception, il était saint. C'est pour dire, et pour la colomba. J'ai écouté quelqu'un en train de dire, mon prophète, il a ressuscité plusieurs morts. Mais votre Jésus n'a ressuscité que toi. Lazare, la fille de Jaïs, et ses fils de la veuve. C'est pour cette raison-là que mon prophète est plus que votre Jésus. J'ai dit ceci pour comparer quelqu'un. Mettez d'abord de côté et ses miracles et ses prédications. Voyez comment il a été conçu. Bon, votre prophète était conçu comme d'une femme qui a perdu sa virginité. C'est celle-là que vous voulez comparer avec mon Jésus. Mawa.
Et puis vous lisez mal la Bible. Jésus n'a pas ressuscité seulement trois mots. Il est écrit. Les miracles que Jésus a fait. Voilà. Si tout était écrit, voilà. Personne n'arrivera de posséder même la voilà. Vraiment. Plus que ça. Jésus. Jésus, quand il était sur la croix, et quand il a poussé les cris, il était pilotré des saints. C'était ouvert. Donc 10 000 épées. Tu vois que tu ne connais pas la vie. Il est la Bible, le Seigneur a donné, c'est là qu'il a vraiment. Jésus n'a ressuscité que toi. Quel Jésus? Et plus que ça, le jour que Jésus Christ reviendra, tous les membres de l'épouse, des millions des âmes, seront ressuscités. Quand la trompette sonnera, qui les ressuscitera? Non, Jésus. Ce n'est pas par hasard que nous avons cru au Seigneur Jésus. Plus que ça, votre prophète, c'est un homme comme moi. Il a été créé par la parole qui est mon Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit, toutes les choses ont été faites par elle. Et c'est qui? C'est Jésus qui a créé Brana. Jésus qui a créé Kimbangu. Jésus qui a créé Mahomet. Jésus qui est plus que tous les prophètes. Il n'a pas d'égalité. C'est pourquoi il est descendu dans les buissons d'épis sans consumer les buissons d'épis. Mais votre prophète, quand il était dans le ventre de sa mère, il a consumé le ventre de sa mère. C'est celui-là que vous voulez comparer vraiment avec Jésus. Est-ce que c'est clair? Voilà les temps tellement partis. Pour répondre à cette préoccupation. Jésus est né d'une vierge. Bon, si cela semble encore difficile, je pense cette fois-ci tu peux comprendre. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas seulement une seule mère? Un jour, Marie, la mère de Jésus, Maman Jésus, est venu voir Jésus avec ses frères. Et on a dit à Jésus, ta mère te cherche. Quelle mère? Marie. Jésus dit, qui est ma mère? Il laisse Marie. Il montre sa main du côté de ceux qui écoutaient la parole de Dieu et la mettait en pratique. Il dit c'est sa mère. Il a dit la vérité. Tu crois ça? Tu crois ça? Jésus a combien de mains? Plusieurs. Maintenant, l'autre mère de Jésus. Maman, mon sou, soyez. C'est qui? Les animaux. Non, la première mère. Maman, c'est qui? Marie. C'est Marie l'Hébreu. Malia, moi. L'autre mère là, c'est qui? Maman, mon sou, soyez. Ceux qui écoutent la parole. Et quel est son nom? Quel est son nom? Église. Quel est son nom? Tu crois ça? Aujourd'hui, maman. C'est le frère magistrat qui dit. La deuxième mère de Jésus, son nom est Église. Maman, comment maman a mis balé, il y a Jésus à l'église. Elle croit ça. Azoti Mago. L'église, la mère de Jésus. Église à maman à Jésus. Et tu juges. Rosalie, toi, dans l'église.
2 Corinthiens 11. Il est écrit ceci. Et comment il verset 2. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie des yeux. Parce que je vous ai fiancé. À un seul époux. Pour vous présenter. À Christ comme une vierge. Na Christo loko la mbondo moko. Qui est la vierge ici? C'est qui? Ngondo, Isanane. C'est qui? C'est qui? C'est que l'église, la mère de Jésus, l'église, maman Jésus, est vierge. Azali Ngondo. Vous croyez à ça? Je dis maman. Galates 4. Je suis mon kanda, yaba Galates. Mon caponamine. Qu'est-ce qui est écrit? Ine komami. L'apôtre Paul nous enseigne. Le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs, de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est que la mère de Jésus, qui est l'église, Christ est formé en elle. Christ a son vous croyez à ça? En d'autres termes, la seconde Marie, qui est l'église, Christ est en elle. Mais elle est vierge. Vous croyez à ça? Et vous croyez que cette mère de Jésus va accoucher Jésus? Quand Christ est en vous, vous devez finir par l'accoucher. L'église aussi va accoucher Jésus. Vous croyez à ça? Ah. Et quand l'église aura accouché Jésus, sera-t-elle vierge ou est-elle intégrée? L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter. Non, non. Vous croyez ça? Vous avez dit maman? Tu vas demander, mais l'église va accoucher comment? Au contour de l'église, comment tu as l'église dit? Apocalypse 12. Mon canet, mon iselizo, mon ami malé. Il est écrit. Et comment il boit? Un grand signe apparu dans le ciel. Et le moment comme on est l'établissement dans l'eau là. Quoi? Ni. Un grand signe. Et le moment comme on est. Une femme. Moi si mon corps. Enveloppée du soleil. Regarde ta moi, il y a la lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Azala qui n'a pas coupé ses dents. Et elle criait étant en travail. Azala ton gars n'a qu'à t'y appeler. Dans les douleurs de l'enfantement. Qui est cette femme? Qui a les douleurs de l'enfantement? On dit qu'elle était enceinte. Qu'est-ce qui était en elle? Christ. Christo. Vous croyez ça? Vous êtes ma mort? Étant dans les douleurs de l'enfantement, elle doit coucher. Et c'est qu'elle a bota. C'est clair? Vous allez poler. Qui est cette femme? Moi, je suis Azalina. Premièrement, dit un signe apparaît dans les ciels. Ah, il y a une mosse balogie et les wamonene et bimukuna dans l'ola. Tous les terres à viser. Ah, tous les terres à viser. Ah, mon tangi nous sommes à la moquette, ne l'ont pas au tas. C'est que, aïe bien, terre. S'il y a une femme dans les ciels, ce que Azalina, moi, si mon corps, Nicolo, ce ne peut pas être Israël. Et qui nous a laissé saler les terres à ma belle terre. La femme qui est dans les cieux, c'est Sarah notre mère. Ah, c'est Sarah, maman et c'est l'église. En d'autres termes, Abraham a des postérités. Les étoiles et les sables. Les sables, c'est Israël. Les étoiles, c'est l'église. Maintenant, nous voyons une femme gosse.
passé. Qu'est-ce qui est dedans? C'est Christ. Exact. Est-ce que c'est clair? Moi, j'aime respecter les temps. Vous croyez que cette femme va accoucher? Elle va accoucher qui? Elle va accoucher qui? Avant d'accoucher, il faut que la femme puisse porter l'enfant jusqu'à sa maturité. Et Seigneur, moi si amé ma mokumba ya mwana ki no mwana komela na libumbu. C'est pourquoi quand vous voyez une femme faire n'importe quoi, comprenez qu'elle n'est pas grosse. Ah, il y a mon temps comme on a moi si que ça la makambo yo so ta voya ke ya zo ya tembe asala mokumba zemite. Elle s'habille librement, asela ta tenga lingi. Elle court librement, akima kima. Elle n'est pas souvent dans la maison. Aso ta bola minga sala ta kote. Elle n'est pas grosse. Le jour qu'elle aura la grossesse, elle-même va s'habiller avec modestie. Akola ta pèse comme un tonton. Et ce n'est pas elle. La sémence qui est à l'intérieur. Oui, chaque croyant qui porte en elle la sémence, il se comporte par rapport à la sémence qui est derrière. Si tu vois quelqu'un s'habiller avec légèreté, tu respectes la sémence qui est derrière. Toi, fille de Dieu, habille-toi avec modestie. Comme ta mère Sarah s'habillait. Amen. Pourquoi tu es comme ça? Ce n'est pas moi. La sémence qui est en moi. Et si vous lui apportez n'importe quoi, dès qu'elle met dans la bouche, elle vomit. Elle ne peut pas manger n'importe quoi. Elle ne dit pas amen à n'importe quoi. Non. C'est une femme grosse. Il y a des nourritures exigées pour une telle femme. Quelqu'un dans l'église, il dit, dit amen avant que je parle. Pèse en amen à mon aide. Ton père sa caillotte. Ne donne pas nous amen. Amen, nous disons la parole de Dieu. Amen. Alors que tu n'as rien dit, dit amen avant que je parle. Et quand vous voyez les gens faire comme ça, ce n'est pas des gens qui peuvent être enlevés. Non. Elle repart la sémence. Et quand le chef de l'armée viendra, ce ne sera pas pour eux. Lui viendra pour ceux qui ont la circoncision. C'est pourquoi, mes frères, il faut aimer la parole. Il ne faut pas prier dans n'importe quelle église. Si tu commences à voir des plaisanteries, prenez ta Bible et vas-y dehors. Oui. Oui. Vous savez, quand le chef de l'armée est arrivé, avec son épée nue, si Josué n'était pas établi, il faut que chacun soit à sa place avant que l'épouse soit dans les lieux. C'est pourquoi l'église essaie de se faire rouler la quantité. On ne se dispute pas de gloire à l'église de Dieu. Nous avons notre chef de l'armée. Ce n'est pas toi. Si tu veux devenir chef, fais ton pré-rébellion, cherche là où tu vas devenir chef. Et puis sois fort, hein. Pour te battre contre le chef de l'armée. C'est pourquoi, mes frères, ce n'est pas des sentiments. Nous vous disons l'expression de nos cœurs. L'épouse du Seigneur. Oui, salut, moi, salut,
Gardez-vous vierges. Soyez pires. Même au jour où nous allons rencontrer les époux. C'est là où nous terminons. Je pose ça comme une question. Quand l'époux sera présenté au Seigneur Jésus, Christ sera toujours en elle ou elle aura déjà couché? Je vous facilite la tâche. Dieu a dit dans la maison d'Abraham, je suis venu l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. C'est pas ça? L'année prochaine, elle, je ferai quoi? Je reviendrai. Le retour fait dire Sarah n'est pas encore grosse. C'est pas ça. Il est descendu. Et puis il part. En partant, l'année prochaine, je ferai quoi? Je reviendrai. Qu'est-ce qui fera prouver que Jésus est venu? Quand Sarah n'est pas grosse. Parce qu'il dit, je reviendrai. Sarah aura un fils. Donc dès que vous voyez un fils, c'est le retour. Amen. C'est qu'en d'autres termes, au retour du Seigneur, la Vierge ne sera plus enceinte. Oh, quand le Seigneur retourne, c'est pour que l'Église lui soit présentée comment? Comment? Vierge. C'est que l'Église du Seigneur, en qui Jésus est, est vierge. Après avoir accouché, l'Église restera vierge. Vous voyez ça? Vous croyez à ça? Dieu est celui qui ramène ce qui a été. Si tu n'as pas compris ce qui s'est passé dans la première naissance de Jésus, dans sa première mère, regardez ce qui se passe dans sa deuxième mère. Jésus ne marche qu'avec des femmes vierges. C'est pourquoi en d'autres termes, les dix vierges qui l'attendaient, qui sont allés l'attendre, pourquoi ils étaient dix? Ce n'était que les dix qui étaient vierges. Est-ce que c'est clair? C'est ça, c'est qui? Et tu connais une seule des dix vierges que Jésus a pisé de sa virginité? Est-ce qu'après avoir accouché Marie, Jésus était vierge? Après avoir accouché Jésus, Marie était vierge? Dieu t'enseignera encore au-delà de mes mots. Voilà, on a presque toute la journée, parce que pour moi, ces choses sont très importantes. Nous ne sommes pas allés en dehors de notre thème. Nous sommes dans le buisson ardent. L'Éternel a dit, je suis descendu pour délivrer qui? Mon peuple. Et je termine ici, je vous donne les derniers versets. Matthieu 1. Voilà ce qui est écrit concernant Marie et Jésus. Je dis simplement parce que le temps est parti. À partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ah, la Bible est merveilleuse. Est-ce que vous sentez ces détails? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
On n'a jamais donné ces détails pour Abraham. On n'a jamais donné ces détails pour David. On les donne à Jésus. Et on continue. Il dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils s'habitaient ensemble. Si on donne un détail, comment Abraham a été conçu? C'était après que sa mère ait cohabité avec son père. Comment Mahomet a été conçu? C'était après que son père ait cohabité avec sa mère. Mais comment Jésus a été conçu? Marie ne vivait pas avec son mari. Jésus a été conçu. Pourquoi? Qui continue? Comme Joseph, son époux, Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? C'est parce que Joseph se disait: Marie est grosse, en d'autres termes, elle n'est plus vierge. Est-ce que c'est clair? Pourquoi Joseph voulait rejeter Marie? Parce qu'il voulait se marier à une femme vierge. Depuis qu'il parlait avec Marie, Marie lui disait: je suis vierge. Joseph savait cela. Mais à un moment, il se rend compte: Marie, comme elle est vierge, je lave les mains parce que je n'ai jamais été avec elle. Est-ce que c'est clair? Amen. Pendant que Joseph réfléchissait, voilà ce qui est écrit. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui a parlé en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Marie, c'est qui? C'est ta femme. Ce n'est pas la femme de Dieu. Ne crains pas. Pourquoi ne crains pas? Il dit: ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand le peuple est dans les péchés, quand le peuple est dominé, il faut que quelqu'un descende. Qui descend? Cet enfant Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous ne voyez pas le buisson Adam? Parce que quand l'Éternel est descendu, il a dit à Moïse: je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est le propriétaire du peuple lui-même qui va délivrer son peuple. Amen. 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 Et quand il descend, qui s'incarne dans un corps qui ne consume pas. Continuons la lecture. Verset 21. Et l'enfantera le fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah là, je sais très bien, Seigneur. Le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu
l'ange lui avait dit. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la commit point. Qui a donné le nom de Jésus? À Jésus, c'était qui? Pourquoi? Peut-être que tu vas arrêter nos terminaux. Peut-être que tu ne le sais pas. On va finir par ici. Qui lui a donné ce nom? C'est l'ange. Et amis, moi, nous. Qui a donné ce nom à Joseph? C'est l'ange. Et ça, moi, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Moi, je l'ai dit. C'est qui arrive avec Marie? Oui, je l'ai dit. C'est pourquoi? Ça, pour que la parole s'accomplisse. Oui, t'es nommé Kokisama. Qu'est-ce qui devait s'accomplir? Oui. La parole dite par Esaïe. Quelle était cette parole? Une vierge concevra, une vierge enfantera. Jusque là, Marie a déjà enfanté. Joseph se réveille. Il a la prophétie. Quelle prophétie? Que Marie va accoucher. Elle va rester comment? C'est pas ça? Cette prophétie, Joseph n'a pas dit amen. Joseph il vérifie ça. Comment il vérifie ça? Il dort avec Marie. Il donne les dos. Après ce mot qu'on a dit, il ne l'a pas connu. Il précise. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Marie ait accouché. C'est le jour que Marie accouche. Joseph est là. Avec plaisir. Si Marie n'est pas vierge, Joseph n'allait pas donner à cet homme le nom de Jésus. Pourquoi? Ce serait une fausse prophétie. C'est que Joseph devrait être là. C'est pourquoi Dieu tellement il est très intelligent. Vous savez que Joseph vérifie la prophétie. Il a fait que aucune autre personne ne soit là. C'est pourquoi Joseph n'est pas comme moi et toi. C'est un vrai juif. Il était là. Il a vu. Marie a accouché. Pas même une goutte de sang. Parce que Jésus devait sortir de la maison, laissant la maison fermée. Alors d'où viendra les cordons médicaux? Ah, est-ce que vous avez compris? Peut-être mes petits mots ne semblera pas te convaincre. Il y a un Dieu qui enseigne au-delà de mes mots. Moi je crois. Jésus est sans péché. Vous savez pourquoi Jésus est ressuscité? Parce que quand il est né, aucun petit corps, partie de son corps, n'avait touché la terre. Mais toi et moi, tel que je suis ici, tu sais qu'il y a une partie de ton corps qui est enterrée. C'est quoi? C'est votre nom, votre cordon médical qui est jeté. La terre ici. C'est que il y a un certain Jonas. Même si ma belle et si est Simba et Tenaï. Voilà. Mon colon a beaucoup de Jonas. Ma belle a voulu. Ah. Oh, la tika y est. Voilà. C'était lui la partie de son corps qui reste. Ça, mon côté, ma belle. Ma belle est Kangio. Ah, la tête. On sait quoi dire. Et tu ne ressusciteras pas. Mais Jésus, Jésus. Jouba, tu nous as donné à ma belle. Jouba, on a un
m'appelait Lucas et Kenny. La partie de son corps qu'on a enterré dans le sud. Pourquoi? Depuis toute sa naissance, il n'a jamais été blessé. Ah, à son caractère. Le sang qui était en Jésus n'a jamais été prévu. Comparé avec n'importe qui. Que Dieu te donne de l'intelligence. Le secret de la résurrection de Jésus. Il avait un corps incorruptible. Le sang incorruptible. C'était versé le jour de sa vie. Pour quelle raison? Alors que l'apôtre Pierre dit, Jésus a été prédestiné quand? Avant la fondation du monde. Manifesté quand? À la fin du temps. Où est-ce qu'il a versé son sang? Et prédit. Il est réservé une seule fois. Jésus n'a versé son sang qu'à l'occasion du sacrifice. Une fois pour toutes. Vous prenez la parole. Que Dieu te donne de l'intelligence. Je vais te rassurer que tu es racheté. Il est descendu pour te sauver. Il a vaincu. Il a pris sa victoire. Sois vainqueur, il travaille. Sois vainqueur.